السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، مغترب جزائري يتكلم عن وقفة عمي تبون مع النيجر، تابعوا معنا هذا الفيديو. Tout d'abord, je voulais remercier le président algérien et lui dire respect, oui, respect à ce monsieur-là. Ça fait très très longtemps que l'Algérie n'a pas eu un président comme lui. Pour l'instant, moi, ça me va. Tout ce qu'il fait, toutes les décisions qui ont été prises, pour l'instant, moi, ça me va et je dis respect. Quand vous voyez décision du gouvernement algérien de fournir de l'électricité gratuitement au Niger, toujours respect, oui, respect à ce monsieur-là. Parce que le Niger, c'est nos frères. Parce que quand ils demandent à l'avion française de faire demi-tour parce qu'il survolait le ciel algérien juste pour protéger le Niger pour pas qu'il y ait de guerre, normal, respect. Parce que on connaît l'histoire, on sait ce qui s'est passé. Regardez la Libye. Aujourd'hui, regardez ce qu'elle est devenue. On sait très bien, hein, c'est pour la paix. Et regardez, la Libye, le pays a été déstabilisé. C'est l'histoire qui nous dit. Et aujourd'hui, allez-y là-bas, vous allez voir que je ne dis pas de bêtises. Après, je vois que le Niger, c'est juste aux frontières algériennes. Hein, comme il ne veut pas le désordre dans son pays, c'est normal qu'il ne veut pas de guerre en Afrique. Ben oui, parce que si ils attaquent le Niger qui est à côté d'Algérie, ben ça va être le bordel. Niger, Mali... Hein, ça va être le gros bordel. Alors, moi je dis au président algérien, respect. Eh ben oui, il porte ses cojones. Oui, il porte ses cojones. Alors, il faut le soutenir les Algériens, il faut soutenir votre président. Pour l'instant, ce qui fait grand respect, j'aime les hommes ayant fait partie, oui, la fierté algérienne. Quand ils éliminent le film Barbie des salles de cinéma algériennes, moi, je dis respect, oui, respect, parce qu'ils veulent vous envoyer leur drapeau arc-en-ciel, oui. Hein, ils veulent vous envoyer le drapeau arc-en-ciel, et c'est ce qu'ils veulent réellement. La décadence, ils veulent pour vous la décadence, vous les Algériens. Mais comme vous êtes un pays à part, vous êtes hein, tout simplement des Algériens, des vrais, avec votre fierté, avec votre nef. Vous avez raison à 1000% les amis. Il ne faut pas qu'ils réussissent à détourner vos enfants. Oui, il ne faut pas qu'ils réussissent à détourner vos enfants comme ils veulent faire chez nous. Ok les amis? Alors, force au peuple algérien, force à l'Algérie et force à la puissance algérienne. L'Algérie d'hier n'est plus l'Algérie d'aujourd'hui. Écoutez bien ce que je veux vous dire. L'Algérie va être puissante comme pas possible. Et quand M. Tebboune augmente les salaires, c'est très très bien. Mais tu peux faire un effort. Je sais que tu peux encore faire mieux. Là, tu as augmenté à 50%. J'espère l'année prochaine, ça sera x3, x4 les salaires. C'est plus de 50%. x3, x4 parce que le peuple algérien mérite. Force à vous et soyez unis les frères. Respect au peuple algérien.